Tiens, toi, Jessica, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Vétérinaire. Je veux être pompier. Et toi, Vincent? Je veux beaucoup de temps libre, avoir l'impression d'être en vacances même quand je travaille. Eh oui, d'accord. Et quel métier va te permettre de faire ça plus tard? Fonctionnaire, comme vous, monsieur. Je te rappelle du bureau, c'est gratuit. Voici ton permis de chasse, Gérard. Je t'ai apporté des cailles. Des cailles, mais merci, mais fallait pas. Les fonctionnaires seront encouragés au départ en temps voulu. Si vous refusez mon chèque, je vais vous muter dans un endroit pas rigolo du tout. Ils veulent te virer. Ils proposent des mutations dans les endroits impossibles. Mais je fais quoi, je signe? Non, mais... Jean! Mais ne blasphème pas, Vincent. Trouvez-moi un poste à pourvoir dans une fosse à purin, un égout, une sanisette, ce que vous voulez, démerder, vous, mais trouvez-le-moi. Votre travail consiste à protéger les chercheurs de la station contre les attaques d'ours polaires. Voyez, il file direct à l'entrejambe. Lors d'un apéro chez des amis, vous avez jamais eu de chien qui est venu vous renifler la bite? Si, si. Je vous rassure, Fabrice a été très bien recousu. Ils l'ont même un petit peu upgradé. Je dis ça si ça vous arrive. On va le laisser refroidir un peu. Il me signe un certificat de non-habilitation. Le chercheur avec qui vous êtes supposé travailler va être déçu. C'est un chercheur? Ouais. Il cherchera quelqu'un d'autre. Je vais prendre une map monde, je vais la faire tourner. Et je vais foutre mon doigt au hasard dessus. Et je mute Pelletier à l'endroit du doigt. Tiens bon, Vincent, tiens bon. On voit où cette fois-ci? Il fait pas confiance aux Blancs parce qu'ils sont égoïstes, impolis et arrogants. C'est pas faux, mais c'est une toute petite partie des Blancs, hein, qu'on appelle les Parisiens.